Classe inversée, quatrième année, semaine 1. Unité 5, temps libre. Unit 5, free time. Lesson 4. Qu'est-ce que vous allez faire ce week-end? What you will make this weekend? Lexique. Nager. Entraînement. Lire. Regarder. Matin. Après-midi. Bibliothèque, gymnastique, cinéma, peinture, chant, course, piscine, théâtre, courir, bricolage, coiffeur, boulangerie, promener le chien. Les jours de la semaine. Days of the week. Lundi means Monday. Mardi, Tuesday, mercredi, Wednesday, jeudi, Thursday, vendredi, Friday, samedi, Saturday, et dimanche means Sunday. The student in this lesson, he have to know the activity he can make it during the weekend, like samedi matin, Saturday morning, je peux aller à la bibliothèque, I can go to the library. Ou jouer au foot, aller à un cours de chant, courir dans le parc, I can go library or play football, or go to a lesson of song or run in the park. Samedi après-midi, faire de la gymnastique, regarder la télévision, faire les courses, means play gym or watch TV or make shopping. Dimanche matin, aller chez Marie, faire de la peinture, aller à la piscine, faire le bricolage, go to visit my friend Marie, or draw, or go to the swimming pool, or repair something. Dimanche après-midi, aller au cinéma, aller à un match de football, aller au théâtre. This means go to the cinema, or go to match, or watch theater. They will listen now audio and they will say the person who make this activity. Leçon 4. Qu'est-ce que vous allez faire ce week-end? Activité 1. Qui est-ce? Alice, Léo, Madame Legrand ou Monsieur Legrand? Écoute et trouve la bonne personne. 1. Samedi matin, il va aller courir dans le parc. Et samedi après-midi, il va aller faire les courses au supermarché avec Madame Legrand. 2. Dimanche matin, elle va aller chez Marie. Et dimanche après-midi, elle va aller au cinéma. 3. Samedi matin, il va aller à son entraînement de foot. Et dimanche après-midi, il va faire un match de foot. 4. Samedi matin, elle va aller à son cours de chant. Et dimanche après-midi, elle va aller à son cours de théâtre. 5. Dimanche matin, il va bricoler dans le jardin. Et dimanche après-midi, il va emmener Léo à son match de foot. 6. Elle adore la natation. Dimanche matin, elle va aller à la piscine. Here, the student have to look the sentence using il or elle to know the person. He is Monsieur Luc or Leo, Madame Jean or Alice. Que va faire Monsieur Luc le grand samedi matin? Il va courir dans le parc. Que va faire Leo dimanche matin?
Il va peindre ou faire de la peinture. Que va faire Madame Legros samedi matin? Elle va chanter ou aller à son cours de chant. Ou va aller à l'île samedi matin? Elle va aller à la bibliothèque. Qu'en vont faire Monsieur et Madame Legros samedi après-midi? Ils vont faire les courses de le make shopping. Que va faire Monsieur Legrand dimanche après-midi? Il va emmener Léo à son match de foot. He will take his son to the match of football. Second lesson this week, they will study Luftirrtosh. This is to means future. He must start with verb aller and the other verb infinitive. He must know verb aller, they, va, allons, allez, vont. He can say je vais jouer means I will play. Tu vas danser means you will dance. Il va manger, he will eat. Nous allons faire, we will do. Vous allez avoir, you will have. Il or elle vont visiter, they will visit. Activité 3. Écoute Maggie et dis ses activités. Samedi matin, je vais lire des livres et des bandes dessinées avec ma grande sœur. Samedi après-midi, je vais aller au supermarché avec ma maman et mon papa. Ils vont m'acheter des bonbons. Dimanche matin, je vais apprendre à nager. Berk, je n'aime pas l'eau, moi. Dimanche après-midi, je vais regarder un nouveau film. Here the activity of Maggie. They will listen to know what she will make samedi matin et le dimanche aussi. See, she said, samedi matin, je vais lire, I will read with my grand sister. Samedi après-midi, afternoon, je vais aller au supermarché, I will go to the supermarket with my father and my mother. Ils vont m'acheter des bonbons, they will buy bonbons for her. Dimanche matin, je vais apprendre à nager, I will learn to swim. Je n'aime pas l'eau, I don't like water. Mais moi, dimanche après-midi, je vais regarder un nouveau film, I will watch a new film. And they will answer the workbook. Leçon 4. Qu'est-ce que vous allez faire ce week-end? Activité 1. Écoute, colorie en bleu le programme de Hugo, en vert le programme de Aïcha et en rouge le programme de Pedro. Le samedi matin, Hugo va aller à la piscine. L'après-midi, il va aller à un match de tennis. Le dimanche, il va aller promener son chien. Et l'après-midi, il va aller au zoo avec ses parents. Aïcha, le samedi matin, va aller faire les courses avec sa maman et elle va aller à son cours de chant. L'après-midi, elle va aller chez le coiffeur. Le dimanche matin, elle va aller à la boulangerie acheter des croissants et un gâteau. L'après-midi, elle va aller à l'anniversaire de sa grand-mère. Et moi, Pedro, le samedi matin, je vais aller à mon entraînement de basket et à mon cours de guitare. L'après-midi, je vais aller promener le chien et aller à la bibliothèque. Le dimanche matin, je vais aller à la piscine et l'après-midi, je vais à mon cours de théâtre. Here the student, he will listen the program of Ogu and he will color the activity of this boy because he will not make all. Also for Aisha and Pedro, he will look which activity he will make and color them. The end of this session, the student he must know to answer qu'est-ce qu'il va faire ce weekend, what he will make this weekend. He can say je vais nager, je vais en entraînement de foot, or je vais lire, I will read, or je vais regarder la télé, I will watch television.
To answer question number 3 in the workbook, he will complete the table. Qu'est-ce qu'il va faire samedi matin et l'après-midi? Qu'est-ce qu'il va faire dimanche matin et l'après-midi? He can use any activity. This will be right. Merci.